du soin que nous devons avoir de croître en grâce et en perfection. Le serviteur dit à Marie, Vous aviez reçu, Vierge Sainte, la plénitude de la grâce dès le premier moment de votre conception. Mais vous ne vous êtes pas contenté de jouir en paix d'un si grand bien. Toute votre vie, vous avez mis vos soins à le faire profiter. Et la grâce qui fait des progrès ou elle voit des efforts vous enrichissait tous les jours davantage. Vous étiez une terre bien cultivée. Où le moindre grain fructifiait au centuple. Quoique vous fussiez née avec la sainteté, la sainteté cependant ne vous était point naturelle. Mais vous vous l'êtes rendu comme naturelle par votre travail et vos soins. Marie a poussé des branches comme un palmier elle les a étendues de toutes parts et ce sont des branches d'honneur et de grâce nous rappelle le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 24 Marie nous répond Mon fils, ma fille si vous voulez faire croître en vous cette grâce qui vous rend l'ami de Dieu l'enfant de Dieu le temple du Saint-Esprit le frère et le cohéritier de Jésus Fuyez le monde, aimez la prière, fréquentez les sacrements, abandonnez-vous à la pratique des vertus propres à votre état. Un moyen surtout d'augmenter en vous la grâce sanctifiante et habituelle, c'est d'être fidèle au mouvement de la grâce actuelle. Écoutez la voix qui vous parle intérieurement. Et laissez-vous conduire à ces impressions. Plus on écoute cette voix, plus elle instruit. À mesure qu'on fait quelques progrès, elle apprend à en faire de nouveau et de plus grand. Bien des gens, après avoir marché quelque temps dans le chemin de la vertu, se reposent, contents du chemin qu'ils ont fait. Mais la grâce ne dit jamais C'est assez. D'autres s'imaginent en faire assez de ne pas devenir méchant. Cela ne suffit point. Celui qui est bon doit travailler tous les jours à devenir meilleur. Combien de chrétiens seront étonnés au jour du jugement? De se voir chargés de dettes envers la justice de Dieu pour n'avoir pas profité des moyens qu'ils avaient de devenir de grands saints. Dans le chemin de la vertu, ne pas avancer, c'est reculer. Ne pas profiter, c'est perdre. Quand on se prescrit des bornes au service de Dieu, Dieu en met à ses bienfaits. Mais moins vous comptez avec lui, plus il se rendra libéral et magnifique envers vous, même dès cette vie. Pour peu que vous ayez des richesses de ce monde, vous en avez toujours assez. Mais des biens de la grâce, vous n'en sauriez jamais trop avoir. Le serviteur sera puni qui néglige de faire valoir les biens que le maître lui a confiés. Réveillez-vous donc, mon fils, ma fille, de votre assoupissement qui peut devenir léthargique et mortel. Travaillez à réparer le temps que vous avez perdu. Ne dites plus que vous vous contentez d'avoir la dernière place dans la maison du Père Céleste, nous rappelle saint Jean dans son chapitre 14 au verset 2. Parlez ainsi et vous contentez de la dernière place c'est s'exposer en avoir aucune. Le serviteur répond Puissante et zélée protectrice au mari, aide-nous à supporter une vie que Dieu ne m'a donnée qu'afin qu'elle vous soit tout employée à le servir et à l'aimer. Aidez-nous tous à mériter une gloire où nous pourrons parvenir avec le secours de la grâce que par nos œuvres, et dont la grandeur sera mesurée sur l'étendue de la ferveur que nous aurons eue en les faisant.